Une vaste expropriation annoncée à Sémé au coût des centaines de maisons à casser pour la libération d'un domaine de 64 hectares déclaré d'utilité publique au Bénin. Madame Actu vous en parle. Bonsoir. Nous sommes mercredi 18 septembre 2024. Bientôt, des centaines de maisons seront rasées à Sémé-Podji. Une vaste expropriation a été enclenchée à Sémé au coût côté littoral du grand carrefour de Sémé. Il est annoncé la récupération par l'État béninois d'un domaine de 64 hectares situé sur le côté est de la station de traitement des boues de vidange STBV. Dans une vidéo qui circule sur la toile, des riverains de la zone ont alerté sur cette opération qui leur a été annoncée par des marquages rouges sur leurs murs et bâtiments. Il a été mis un signe de croix pour délimiter la zone à casser. Nos confrères de Banoto ont également eu la confirmation de ce que tous les immeubles de cette zone résidentielle seront rasés. Une opération qui crée une grande panique au sein des populations riveraines. Croire certains riverains, la raison évoquée par les agents serait que le domaine sur lequel ils ont construit est d'utilité publique.
Allô, donc voilà la nouvelle qui tombe. Il paraît que tout le secteur de Okun-Sémé est déclaré d'utilité publique et toute la zone va être rasée. Donc voilà de quoi il s'agit. Il paraît que tout ça va être rasé sur 500 mètres jusqu'à la forêt. Donc notre domaine, on vient d'y mettre des inscriptions. Donc ça, c'est là à casser. Donc tout ça doit être rasé, il paraît, jusqu'à la plage. Pourtant, ce sont des domaines avec des petits fonciers. Donc là, c'est à raser sur 500 mètres de profondeur. Donc voilà, ça c'est un de mes premiers domaines. Ça c'est un domaine de 3200 mètres carrés que j'ai ici, qui sera rasé. Donc voilà, jusqu'à la plage, sur plus d'un kilomètre et quelques. Sur près de 2 km, 2 km sur près de 500 mètres. Ils sont venus avec les forces de l'ordre. Donc c'était tout un contingent d'hommes en armes qui sont venus. Et voilà ce qu'ils ont écrit sur les maisons. Alors moi, j'ai ma base logistique ici. J'ai mon studio d'enregistrement là. J'ai un petit pied-à-terre pour moi-même. J'ai des bureaux. J'ai une partie de mon administration qui est là, puisque c'est une annexe. Donc tout ce que vous voyez là est à café. Donc c'est ce que vous voyez là, moi. Ça c'est, comme vous pouvez le voir, c'est une annexe de logistique assistance. Donc c'est l'annexe de Okun-Sémé. Donc logistique assistance, comme vous pouvez voir. Ça c'est ma devanture. Et voilà. Ici, j'ai 2400 mètres carrés. Un peu plus loin, j'ai d'autres domaines, mais tout est à casser à ce qui paraît. Donc, 4 de mes domaines vont être impactés. Donc, c'est ce que vous voyez là, à casser. Tout ça est à casser. Alors, mes domaines donnent sur deux rues. Ce sont des domaines qui donnent sur deux rues. Pourtant, c'est des choses qu'on a acquises depuis, ça fait 17 ans. 17 ans que j'ai acquis tout ça. Alors, il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien eu. Donc, ça, c'est l'intérieur du domaine. C'est ce que vous voyez là. Donc, tout ça doit être rasé. Ça sort sur une deuxième rue. Mais toute la zone doit être rasée. Toute la zone, sans exception. C'est ce qu'on est en train d'apprendre. Donc, j'ai certaines de mes motos qui sont là, puisque c'est un domaine qui me sert aussi de transition entre ici et le Nigeria. Vous voyez mes Harley qui sont là. Voilà, logistique assistance. Voilà encore un autre groupe là-bas. J'agrandis, c'est ce que vous voyez là. Donc. Ça sort sur ici aussi. Donc vous pouvez voir, voilà ce qu'ils nous ont mis là aussi. Donc ça c'est l'arrière. Donc c'est l'arrière, ça c'est à casser. Donc c'est tout ça. Donc toutes les maisons sont à casser. Je pense qu'il y a plus de 300 ou 400 maisons à casser ici. Hein. Ça c'est l'hôtel 241 qui est en face de moi. Il y a des hôtels, il y a des églises, il y a... Donc il y a, je sais pas, des centaines de maisons à raser. Donc c'est un peu ça. Bon, le problème maintenant, c'est de savoir quelle est la conduite à tenir et quel est le délai qu'on nous donne pour commencer à débarrasser nos effets. Quel est le délai qu'on a? Donc c'est un peu ça. Voilà.